Salut les petits culs! Ouais, c'est GoTour! Aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour une petite vidéo d'achat-revente. Donc, j'ai fait 23 ventes. Avant de vous montrer les 23 ventes, petit aparté, il y a une quinzaine de joueurs qui sont sortis sur FUT, des nouveaux joueurs. J'ai un de mes abonnés, Freezman, qui a fait une belle vidéo qui vous montre tous les joueurs, leurs stats et leurs prix. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, je vous invite à aller voir si vous voulez avoir plus davantage d'informations sur ces nouveaux joueurs. Et également, j'ai un collègue à moi qui organise un concours sur Trackmania Turbo. Je vais mettre également le lien dans la description pour tous ceux qui veulent faire le concours tout simplement. Donc, on va tout de suite passer à mes 23 ventes. Attendez, avant d'aller voir mes 23 ventes. Ici, boutique 13. J'ai 13 packs de prêts pour demain, la TOTS. On va ouvrir ça demain. Quand la TOTS va sortir, je sais même pas à quelle heure elle sort, je sais même pas les joueurs, je me suis même pas renseigné. Un gros baller scout. Tiens, seul homme du match, je savais même pas, tu vois. Seul homme du match, bah les gars, voilà. Ceux qui le savaient pas, on le voit en même temps. Donc, transfert, j'ai fait 23 ventes, les gars. Qu'est-ce que j'ai vendu? Ma liste est encore à l'envers, j'en ai ras le cul. Qu'est-ce que j'ai vendu? Sol, Chardon, on vient de le voir. Sol, alors j'ai vendu un sol 48 500 et un sol à 50 000. Donc, les sols, je les ai achetés avant le match. On pouvait les trouver dans les 36 000, 37 000. Donc j'ai fait plus de 10 000 de bénéfices sur la carte sol. Ensuite, Icardi 80, 15 000. Icardi 80, 15 000. Est-ce que j'ai d'autres Icardi 80? Icardi 80, 15 000. Icardi 80, 13 007. Et Icardi 80, 14 005. À combien on peut les trouver les Icardi? Moi, je les ai achetés à 11 000 crédits tous. Alors, on va aller voir ça. Icardi. Alors, je les ai. Alors, mes ventes, ils datent. Ils sont sur 2 ou 3 jours. Je me rappelle plus. 2 jours, je crois. 2 jours. Donc, hier et avant-hier. Donc, Icardi 80. Voilà, regardez un exemple. Le premier, je prends, il a 12 250. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des Icardi 80, 81, 82. Donc, moi, j'ai pris des 80 à 11 000. Voilà, regardez, 11 000. 11 000. Et en fait, je les réalise tout simplement. Donc, ceux que je prends à 11 000, je prends des chasseurs, des choses comme ça, ou des œils de lynx avec pas mal de contrats. Je les réalise à 15 000. Comme t'as l'Icardi 81. 80, 81, 82. Bah, il part, hein, je sais pas pourquoi, il part. Donc, Icardi, ça a marché. J'en ai fait plusieurs, ça a marché. Donc, si vous voulez, je pense que vous pouvez y aller, ça marche, quoi. Les Icardi, donc Icardi 80. Ensuite, Zabaleta, qui est vendu 1007 avec la tech comme d'hab. Chasseur et ombre, donc comme c'est un défenseur, il est en nombre. Lukaku, 1007. Benteke, 1007. Rugani, 1007. Alors, lui, Icardi 80, 13 000. Pourquoi? Parce que lui, je l'ai eu en dessous de 11 000. Je l'ai eu dans les 10 000 crédits, donc je le vends à 13 000. Vermeulen, 1006, Coleman 1007, Icardi 15 000, Icardi encore un 93 007, donc à mon avis lui, ouais, il est en œil de lynx, il était pas en chasseur, c'est pour ça que j'ai mis à ce prix là. Schneiderlin 1008, Icardi 14 005, Darmian 1007, Mustafi 1007, Zuma 1007, Golovin. Alors Golovin, c'est une carte MOTM, comme vous pouvez voir, je l'ai acheté dans les 36 000 ou 37 000, vendu 42 500, c'est très bien. Kaboul 1006, Zuma 1007, Tovin. Alors les Tovin, je les avais achetés dans les 30 000 crédits, je vous l'avais dit, j'en avais acheté pas mal. Malheureusement, son prix était en train de chuter, donc je les ai revendus sans perdre d'argent, sans gagner d'argent. C'est pour ça que je ne les montre pas dans la vidéo, je vais pas vous montrer les joueurs. Voilà, j'ai vendu lui, mais au final, je n'ai pas gagné d'argent. Et Okoré 1007. Donc là, il me reste des joueurs. Donc dans les joueurs qui me restent, j'ai acheté un Griezmann 86 hier, je l'ai acheté 98 500. Il est à combien le moins cher? Donc le moins cher. Voilà, je me fais du bénéf quoi qu'il arrive. Le moins cher, il est à 123, 122, 122. Donc, on va le mettre à 117. Je me serais fait 20 000 de bénéf si je le vends à 117. Et puis, c'est bien. Et ensuite, j'ai aussi un Griezmann 85 que j'ai acheté hier, 79 500. Et le moins cher, il est à 85 000. 85 000, bon bah on va le mettre à 85 000 hein, les gars. En plus moi il est en chasseur, donc normalement il devrait partir, pardon. Et normalement je perdrai pas d'argent dessus, j'en gagnerai même un petit chouïa. Allez, 85 000. Donc voilà les gars, c'est tout pour moi. Demain, voilà, donc c'est tous mes cartes ombre et chasseur que j'ai toujours pas vendu. Donc c'est tout pour moi les gars, c'est la fin de la vidéo. Demain je vais vous faire une vidéo, je vais ouvrir les packs TOTS. Bah les 13 packs que j'ai gagné, spécial TOTS, je vais pas en ouvrir beaucoup parce que... Pour tous les nouveaux, n'ouvrez pas tous les packs maintenant, c'est pas maintenant le plus intéressant, ce sera les autres TOTS, quoi, tout simplement. Donc, ciao, ciao, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et je vous dis à demain. Bisous, bisous.